Hello les amis, c'est Jody Dreams, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouvel épisode du Jean Bébé Challenge. Et je bafouille déjà, bah ça commence bien quand même hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé épisode précédent? On a eu un petit Julien qui est tout mignon. Et on a redécoré la chambre de notre petite Lucie, notre matriarche, pour qu'elle soit bien mieux. Et effectivement, regardez, ça améliore, elle est heureuse, elle se sent bien. Donc voilà, donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui avec elle, on va essayer déjà d'appeler un papa. On va déjà appeler un papa. Changer de tenue. Voilà. Et on va appeler un des pères qu'on avait vu. Voilà, celui-là. Invite Annie sur la terre actuelle. Oh là là, non, mais lui, non, mais non, 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 non. Attendez, je mets juste la pause. On n'a pas de chance, hein, les gars. On n'a pas du tout de chance. Super, bon. On va inviter... On va l'inviter à rentrer, voilà. Hop, salut, bienvenue. Dans ma maison, dans ma demeure. Et je vais te draguer. Voilà. Je vais te draguer. Parce que j'en ai envie. Toi. Toi, jeune demoiselle. Oui, elle doit encore grimper. Elle doit encore grimper, vas-y, voilà. La petite ici. Voilà, hop, on mange un bout. Elle va continuer à parler avec lui. Donc, on va parler de bricolage, flatter un petit coup. Amical, parle de la paix dans le monde, puisqu'il est bienveillant, donc c'est bien, fait connaissance. Voilà, discuter son intérêt, voilà, ça c'est bien. Pendant que ma fille aînée est en train de réparer le truc ici, ça c'est bien. Donc je tiens à préciser pour ceux qui sont intéressés pour faire ce challenge, il y a un lien vers les règles du challenge. Eh bien, sur mon site internet, vous allez sur jodydreams.com, vous cliquez sur série, ensuite sur info série, ensuite sur 100 bébé challenge et vous saurez tout. Est-ce qu'elle peut améliorer des trucs déjà? Non, elle peut pas améliorer des trucs, c'est un petit peu dommage. Hop, hop, voilà, prendre une douche. Toi, tu veux faire quoi? Hop, ouvrir. Vas-y, mange un bout. La petite ici, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien d'utile. Elle va aller terminer de... Elle va continuer à grimper parce que Ouais. Comme ça, dès qu'elle a 4, elle pourra bien avancer. Elle a 4, c'est génial. Elle a 4, ça c'est bien. Ça c'est bien. Dès que ça sera fini. Elle va t'occuper un peu du bébé. Tu vas dodeliner, tu vas babiller, tu vas bercer. Et tu vas peut-être... Non, tu vas pas le bercer, tu vas le nourrir, tiens. Après, tu vas le bercer, voilà. Toi. Est-ce qu'il a eu... Et non, elle a pas atteint son niveau de compétence. Voilà. En mode je fais un selfie près de mon petit frère. Ça c'est fait hein. Ops. Ah mais il est où le mec? Ah bah voilà, tu vas tout. Vas-y, mais va près du monsieur, toi. Ne reste pas là comme ça sans rien faire. Elle. Ok, ça grimpe. Oh,
on va vraiment essayer de faire bien grimper le truc en 4. Comme ça, ils n'auront plus qu'à faire les devoirs et ça sera nickel. toi, tu peux faire quoi, toi? Rien. Non, non, te barre pas! Non, te barre pas, j'ai pas fini avec toi! S'il vous plaît, monsieur, reviens! Non, reviens, reste près de moi! Plus près de toi, mon petit! Voilà. Technique de drague. Maintenant, on peut commencer le drague, je pense qu'on commence à être pote avec lui. Ouais, voilà. Amour. Draguer. Ok. Et on va mettre la chaîne. Romance, tout près. Je sais pas si ça peut améliorer. Je sais ce qu'on va faire, tiens, j'ai une idée. On va partir en rancard avec. On va partir en rancard pour essayer de débloquer la bouteille là qui décore. On va la mettre dans un coin de la maison. Comme ça, ça sera plus facile pour quand on va choper des papas à la maison. Hop. Plus de choix, amour. Oh mince, il y avait planifié un rancard. Ah voilà, propose un rancard, voilà. On va proposer un rancard, on va le faire où? Pouh, là j'ai aucune idée. Sauf que si jamais il y a un papa qui... On va le faire ici, on va le faire là, c'est bien. Les gosses, vous bougez, hein. Moi je sais ce qu'elle va faire, elle va cuisiner. Ah non, ok, d'accord. Les amis, donc, on va essayer. Donc, on va essayer déjà donc de flirter avec le rancard. Premier baiser. Draguey. Et en la seille. On va s'asseoir ensemble. Mais qu'est-ce que tu fous? Oh, merde. Mais pourquoi est-ce que vous avez été parler à la meuf? On s'en bat les steaks. On va se blottir contre. Faire en sorte que les Sims deviennent joueurs en même temps. Taquiner pour flirter, voilà. Embrasser langoureusement, voilà. On va vraiment essayer de réussir notre rencard. Voilà, hop. Plus de choix, drôle. Raconte une histoire drôle. Embrasser. Yes! À moins que je l'embrasse... Non, mais quel con! Reviens ici! On s'en bat les steaks des autres. Ouah! Alors là, on le veut comme papa. Hein. Alors là, lui, on le veut... Ah, mais trop. Alors là, lui, on le veut comme papa, c'est sûr. Embrasser avec passion. Il n'y a pas embrasser avec passion? Ah d'accord, ils regardent le ciel ensemble, c'est super. Mais on n'a pas que ça à foutre. Hein, Je vais spammer les blagues. Hop. Histoire drôle. Ouais, voilà. Ok, son joueur. Ok, ça c'est fait, donc on va draguer, voilà, on va retourner. Ah, conversation profonde. Ok, on y va. Conversation profonde, plus de choix amical, conversation profonde, voilà, comme on a deux. Ah super, on a le truc en or. Donc il faut que, amour, que j'embrasse passionnément, on va l'embrasser. Allez, vas-y, on roule un gros steak. Mais tu vas lui rouler un steak ou merde? Allez, fais-lui un gros bisou. Un gros bisou. Bon, je vais l'épicer, ok, c'est nickel.
Ah bah voilà, ça c'est mieux. Bon. Il nous faudrait qu'on puisse embrasser avec passion, là, notre encart, parce que... Dépêche-toi. Mais dépêche-toi! Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle se les roule ou quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Bon, le rencard est terminé, c'est nickel, je vous reprends chez elle. Oh là là, quelle affaire! Re les gars, donc donc ce qui sera bien, c'est que donc dès le lendemain on va directement inviter le père pour essayer de faire le bébé, parce que comme ben elle est plus enceinte, ben voilà quoi, ça pourrait être bien. Allez au lit. Toi au lit, et toi aussi au lit. Allez, toutes les filles au lit, au dodo les meufs. Voilà. À mon avis les gars, on va essayer de faire l'étage et après on améliorera la cuisine, je pense. On va essayer de faire l'étage, de monter les chambres. Et après, on améliorera la cuisine. Qu'est-ce que tu as, petit? Oula, tu dis pas bien? Voilà, calme-toi, ça va aller, cool, la vie est belle. Ah, c'est super, il me l'a réveillé super tôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un truc tout lumineux là? Trop bizarre. Donc elle est censée avoir un A aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire en sorte que... Ouvrir, tu vas manger ça, voilà. Mais allez, ne traîne pas dans la salle de bain, mais quelle conne! Elle m'a pété ma douche, cette gourdasse! Mais dis, c'est bon, hein, c'est ta mère, hein, t'as déjà... Oh, mais quelle est casse-bonbon, cette gosse! Oh! Bon, elle est bien. Toi... Tu vas manger un bout, ça ira mieux. Toi, tu vas te ramener tes fesses là. Ouvrir. Manger un bout, oui, ça ira mieux. Bon, on n'a pas le temps. Pour une fois, on va remplacer en vitesse. M'énerve, elle est dans le chemin, elle. Voilà. Mmh.
Bon, on essuie un petit peu tout ce bordel. Et les gosses, tous à l'école, ça c'est nickel. Et nous, on va... hop. Prendre une douche, voilà. Oh, mais on m'a poussé mon téléviseur. C'est pas possible. Hop, ouvrir. Ouvrir. On va vite manger un bout. Et va falloir qu'on appelle notre papa. Notre futur papa. Voilà. Tout le monde ne parle que d'une fête anniversaire à laquelle Céline n'a pas été invitée. Elle croyait pourtant que Claude était son amie, a du mal à comprendre. Laissez tomber. Est-ce qu'il va bien, lui? Il va bien. Notre petit Bouchou va bien. Ah, super! Les factures. Ah, ça va. Il n'y a pas trop de factures. Voilà, donc on va inviter notre papa. Jack, James est déjà à proximité. Ah, c'est super, attendez. Ah, il est là! Arrête de marcher. Mais non, mais du con, mais il me suit après. Oh bah non, je me casse. Mais non, mais te casse pas comme ça. Mais je dois parler avec toi, moi. Mais ce mec... Oh mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais oui, moi je veux passer du temps avec toi. Mais oui. Et tu viens. Oh mais merde, il y a le mouflet qui est en train de nouveau de pleurer là. Elle était... Merci, allez vas-y. Allez hop. Et tu fais dodo. Et voilà. Donc c'est comment son prénom, c'est Jacques. Jacques Martin. Oh merde. Il s'appelle Jacques Martin, le Sims. Ok. Oh non. Oh, c'est quoi cette tenue improbable? Bon, d'accord. C'était pas très beau, hein. Ça corde. Bon. Je vais pas vous faire languir, les gars. Il reste du temps. Et voilà, elle est enceinte. Merci Jacques Martin d'être venu. C'est très gentil. Ok, vous parlez à travers les portes. C'est génial. Tu peux partir maintenant. Je te remercie, c'est très gentil. Tu es un homme génial. Et je vais inviter l'autre gars qu'on avait vu la fois passée. Voilà. Invite à nous sur le terrain actuel. On va directement l'inviter. Ok, super, changer de tenue, quotidien 1, et on va essayer déjà de se faire bien pote avec lui. Par contre, j'ai oublié de faire réviser ma fille de façon assidue, enfin mes filles. Hop, réviser assidûment, voilà. Toi, complémenter la tenue. Oh, tu es tellement beau avec tes pinettes dans les cheveux. Tu es magnifique, j'aime comme ce jeu t'a généré, les petites étoiles te vont parfaitement bien, c'est super sexy. Ouais. Oh, il est en geôleur en plus. Il est en geôleur, c'est nickel, s'asseoir ensemble, allez viens avec moi mon petit loup. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont eu des bonnes notes ici? Est-ce qu'il y en a que je vais pouvoir dégager? Oui! Oui, elle est... oui, je peux la dégager. Bon, je sais ce qu'on va faire. On va faire vite un petit gâteau. Hein, vite un petit gâteau. On va même faire un gâteau à la fraise, les gars. Regardez. Gâteau aux fraises. Hop, hop. Toi, je t'inviterai plus tard.
Je veux juste dégager ma plus grande fille. Donc, qui est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire? Donc, toi, t'as eu un A. Toi, t'as un B, c'est très bien. Toi, t'as un A. Et toi, t'as un B. Donc, on peut déjà faire vieillir deux filles. Donc, ça, c'est nickel, ça, les gars. Donc, elle, elle va pouvoir partir. Prochaine étape, vous la verrez plus parce qu'en hors caméra, je vais la changer de maison. Donc, ça, c'est super. Toi, t'as envie de quoi? Bon, tu vas bouffer un bout, hein, manger un bout, hein, prendre un morceau de Jessa, traîne depuis le temps qu'il est là. Tu vas aller ajouter des bouches d'anniversaire. Bah souffler les bougies. Hein. Et toi, elle a eu un A aussi, c'est super. Et voilà, Darkinette a grandi. Toi. Non, toi pas. Non, toi, tu vas ajouter les bougies. Mais si, ajoute les bougies. Mais vous êtes chiants aussi! Allez, assieds-toi. Tu m'ennuies. Allez, va ajouter les bougies. Soufflez les bougies. Et voilà, une ado, yes. Et donc, je pense qu'il y avait moyen de faire grandir notre fils. Oh purée. Oh, oh purée, ce que j'ai chopé. Bon bah voilà. Hein. Oh mais la tête qu'elle tire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire grandir... C'est l'anniversaire de Julien, que le temps peut passer vite. Oui, je peux le faire grandir aussi, le mouflet. C'est trop cool. Purée, il est déjà l'heure qu'il est, les gars. Je vais devoir vous laisser. Allez, je vais faire grandir Julien, puis après, je vous laisse. Trois anniversaires. Ah, ça fait plaisir. Hein. Voilà, on a... Il a... Pourquoi est-ce qu'il est blond? Voilà. Hop. Je voulais dégager tout. Ben voilà les amis, c'est ici qu'on se quitte avec ce multiple anniversaire. Trois anniversaires dans un truc, ça c'est plutôt pas mal. On va continuer à papoter avec lui. Pendant que toi, tu me répares le bordel là ici, s'il vous plaît. Voilà, toi... Oulala, toi t'es pas bien, toi. Lui, on va commencer déjà à le faire dessiner des formes et tout ça, voilà. Comme ça, tu vas déjà commencer à faire ça, c'est nickel. Bon, les amis, je vais vous laisser. J'espère que vous avez de l'amuser. En tout cas, moi, c'était bien cool de voir tous ces enfants grandir, tous ces... Cette grande là que je vais pouvoir foutre dehors pour libérer Ali. C'est super. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.